Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la grande bataille dans les fourmis. Nous battons en infériorité technologique et numérique. Ça pique, mais on va s'en sortir, je pense. Mince, on a perdu aussi. Okay. Mince, on a perdu des guerrières aussi. Allez, finissez ça. Sérieux, ils attaquent là aussi? C'est pas grave, on peut pas... Et merde. Bon bah je pense que c'est fini. Hein. Je pense que c'est la défaite. Vrai, il y a moyen de s'en sortir si on arrive à s'occuper de ce qu'il y a là-haut. Celle-ci, elle sera de loin. Je pense qu'on peut l'envoyer attaquer. Attaque. 14. Ça se passe, je pense qu'on va réussir. En vrai, ma seule victoire possible, c'est de trouver leur... C'est bon? Revenez ici. Non. Est-ce qu'on peut pas construire plus de défense? Réserve de bave. C'est très bien. Ma solution de victoire, c'est de les attaquer sur leur leur nid. Donc il faut que je trouve l'endroit. Si je veux attaquer... Ah bah j'ai trouvé le nid. Ok. Ça va être très simple. Il faut lancer la contre-attaque le plus vite possible. Dès que ceux reconstruits sont en position, on pourra peut-être lancer l'attaque. Bien. 1 minute 49, ça peut le faire. Alors, tunnel, j'abandonne. En route. On s'en moque. On va s'en moquer. Objectif, attaquer ici. Toi ? Désolé. C'est pas grave. Parce que là ils lancent leur assaut là-bas, mais moi je m'occupe de leur capitale, de leur nimère.
Ce qui se passe là-bas, c'est triste, mais c'est un sacrifice nécessaire. Très bien. Non, on s'en moque. Victoire. C'était pas gagné, mais victoire. Je suis content. Bah, j'aurais pu faire ne pas faire la coupure sur l'épisode précédent, mais au moins je vous ai fait un petit cliffhanger, j'en fais jamais. Donc c'est drôle à faire de temps en temps. C'est tout ? On a fait toutes les missions qui étaient demandées ? Non, il en restait une là-bas. Je sais plus où c'est où, mais il en restait une à faire. Toi, tu es la balaconienne qui fait jacter tout le monde. Les fourmis noires ont réuni leur troupeau de pucerons. Ta mission, infiltrer la grotte où s'enfermer les bestiaux et les éradiquer. Je sens venir, d'ici venir l'odeur des pucerons éviscérés, soldates. Je suis pas encore... non, je suis pas encore disponible. Est-ce que ça, c'est la mission principale? Ah, ben voilà, il m'en restait deux en plus de missions. Donc là, il me reste quoi? Il me reste une tech... une tactique, non, deux tactiques, deux stratégiques. L'heure est grave, deux quartiers généraux de fourmis noires ont été aperçus. Les détruire sera ton prochain objectif. Affronte et éradique les fourmis noires. Deux quartiers. Les fourmis noires, d'habitude silentes, ont pris d'assaut notre territoire. Elles ont sans doute construit tout ça sur des ruines de fourmis naines. Qu'importe, ce qui compte, c'est que leur destruction sonnera la fin de la guerre. Dois-je me méfier de quelque chose? Ce sera une bataille ouverte, sans protection ni sans défense. Les paramètres ne sont pas de notre côté. Comment on veut plus construire aussi près de la cité? Notre reine est morte, notre colonie a presque été détruite. Et nous réveillons au printemps au milieu d'une nouvelle invasion. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que nous avons vécu. Effectivement. Hop, je suis désolé, mais comme d'hab... la carte et l'alerte d'activité. Il faut la carte, c'est ça le plus important. Très bien. Je vais aller me construire. Ah mais encore ce terrain. Hop, ici on a besoin d'une artilleuse. Venez, on va vite s'emparer du nid. Et je vais aller voir sur la zone... Il y a beaucoup cette carte-là, elle revient. C'est bizarre, mais... parce que bon, c'est exactement la même carte qu'on a eu avant. Ok, là-bas des coccinelles, donc une réserve de nourriture. Mais les coccinelles sont... Ah oui, ok. Ok, trois troupeaux de coccinelles. Et un nid ici. Ok, le deuxième nid est ici.
Ok. Parfait, soignez-vous. Venez, à l'assaut. Ici, économie, on a besoin de bois. Et en fourmis, je demandais... une guerrière. Je vais aller chercher rage et soin, je pense. Hein. Hop, est-ce que je peux avoir tunnel, peur, rage, renfort, ok. Allez, saloperie de petites araignées. Envoyez, très bien. Venez ici. On ne perd pas de temps. On a besoin de construire un max. Et en même temps de... d'avancer. Enfin, on a besoin d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir avancer correctement. Et là, il devrait y en avoir un autre, non? Ok. Il n'y a qu'un seul nid ici. C'est bizarre, pour une zone, un seul nid. Interagir, et là j'aimerais ça, il me faut 80 de nourriture, ok. On va construire, faire ma champignon et augmenter les stocks. Et j'ai pas de quoi faire de la défense, c'est pas grave. Non, j'ai dit que je voulais construire ceci, c'est 80 de chaque. Hop, et on va demander une roue de puceron, renforce les troupes alliées, faible comme tout. Ouais, mais avoir un soutien, ce sera peut-être ce qui va faire notre différence. Il y a de l'orage. Oh, est-ce qu'avec la pluie, le niveau des trucs va... Oh. Ok. On a bien un deuxième nid. À l'attaque. Hop, j'ai pas encore 80 de chaque.
Allez. On va réussir. Franchement, je suis confiant en mon succès. J'hésite. Est-ce qu'on attend? On prend des artilleuses. On va avoir des dégâts. Il y en a une qui va être éliminée. Phéromone de renfort, c'est 20. On y est presque. On va pouvoir construire le niveau 2. Cinq de bois, 4. Voilà, un peu de bois. Et non, j'ai pas assez de nourriture. Sinon, j'aurais demandé une... Une deuxième artilleuse. J'aurais attendu pour les 7 ones dorées, ça serait sympa aussi. Faudra 40. On va économiser alors. C'est des coccinelles, donc ça va, ça me fait pas peur. Enfin, ça me fait pas peur, on se comprend. Quatre, trois, deux, un. On a notre laboratoire chimique. Je vais demander... Il faut 40. 40 de bois, je peux demander une ferme à champi. Bien évidemment, se mettre en position, je pense, pour pouvoir les attaquer juste après. Allez, pas beaucoup, on se rapproche. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas s'arrêter en pleine mission, je pense. 6... Quatre, trois.
Allez, on va construire. Hop, et là on est presque à 40, on va pouvoir avoir nos cétoines dorées. Les gens immunisés à l'acide. Ok, efficace. Ah, c'est 50, mince. On va attendre 50 alors. Je viens pas me dire que pas assez de chambre. Alors. Même pour une caisse. On va aller se faire l'acétoine là-bas, on va le remplacer. Hop, ici. Détruire. Trois minutes. On va essayer de réduire ça, hein, dès qu'on peut. Et avec ça ici... Est-ce que... Par... Non. C'est quoi celle-là? Non, c'est... Cartographe vétéran, il me faut juste 32 bois. Bon, on va le faire... Non, c'est 40, c'est ça. 42 bois, et je peux pas. Antenne affûtée augmente la portée de détection. Ça, je peux prendre. Hop, on a réduit un peu. Point de ravitaillement découvert. Très bien. Une minute trente et on pourra lancer l'attaque contre le premier nid. Une minute. Moins de 30 secondes, allez. On y est presque. 10 de nourriture. Je pense pas que j'aurai... C'est moi qui vais mettre fin à que... En vrai, si j'attends... 8 secondes. Viens ici, s'il te plaît. T'es loin? Non, en vrai, ça va vous aller assez vite. Et l'avantage, c'est qu'elle lance des assauts contre les... Ouais, elle lance des assauts contre les coccinelles. On va juste attendre que les coccinelles les éclatent, et puis on lancera l'attaque. Attaquer le nid. Mince, moi aussi ils attaquent mon nid. Mais je pense que mon nid se défend très bien. Barre-toi.
interagir. Je vais demander si une artillerie. Hein. Bah, je peux demander une artilleuse au niveau 2 plutôt. On va attendre que vous soyez remis en forme. Et si j'ai les moyens. Ici c'est 40. J'ai pas les moyens encore. Et peut-être une deuxième de ces toines après. Il faut attendre. On va aller surveiller. Elles n'ont pas réussi à buter les coccinelles, c'est parfait. Ah, ici. Elles vont attaquer où? C'est moi qu'elles attaquent? Elles vont pas attaquer les coccinelles? Non, toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir ici aussi. Stop. C'est bon? Vous lancez l'assaut? Vous lancez. Hop. Ok, je pense qu'on devrait l'avoir, celui-ci. Et là-bas, c'est... Oh, c'est des étoiles, crotte. Enfin, c'est des scarabées, quoi. Ah, ils ont pas attaqué ici. Va tomber. Ça donne quoi le nid? C'est bon, et au final elles ont pas attaqué. Elles vont peut-être faire le tour et m'attaquer de derrière ou changer d'idée. Hein. Ou alors je les ai repoussées. C'est bon? Reculer. Et si que puis-je demander? On va pas demander. Là, je peux pas.
Le temps de recharge des pouvoirs, je prends. Et là, j'ai droit à renfort. Ah, et là, ça me donne une deuxième charge de renfort, c'est ça? Et mince. Je vais aller renforcer celle qui est là-bas. Ici, je vais venir faire des artilleuses. Hop. Pas. Bon bah on a une qui va sauter. Celle de Sni en plus. Quitte à devoir les reconstruire, autant les améliorer. Il faut combien? 63 de nourriture. Et là il me faut 60, donc là j'aurais pas assez pour les faire sortir. Je pense que ça y est, c'est réussi. C'est bon. Venez ici. On va se préparer à lancer l'assaut vers le centre. Pour finir rapidement cette bataille. Ok. Lancer l'assaut sur les coccinelles. Et elle aussi, elle se bat là-bas. Ah oui, il y a du monde. En niveau 3, voilà. C'est mon gros problème, c'est qu'elles ont lancé leur niveau 3.
Rentrez au nid. On recule, on recule. On a besoin des défenses unies pour se défendre. Je vais voir si je peux pas rajouter plus de défense encore. Genre, ici c'est quoi? Réserve de bave. Non, ça c'est plus de dégâts d'acide. Ok, elle lance l'assaut. On reste tous ici. On recule. Allez-y. Je pense qu'on ça va, on va s'en sortir. Si on tient 20 secondes, on s'en sort. On risque d'avoir quelques dégâts, mais c'est pas grave, on pourra les Hop. J'ai perdu la deuxième, pas grave. Mettez-vous, on se prépare, on attend que les renforts arrivent. Et on lance le dernier assaut. Maintenant ils ont plus de nids donc c'est dangereux, mais je pense qu'on peut lancer l'assaut comme ça. Enfin comme ça. Dès qu'on a notre dernière et que tout le monde est en forme. Parce que là, elles ont pris cher. Ça se soigne ou ça se soigne pas? Ok, elles ont pas envie de se soigner. On lance l'assaut. C'est parti. Mince. Ouf. Retourner en arrière vite. Hop. Reculez, reculez, reculez. On a quoi? Du niveau 2, du niveau 3. Ouais, ça pique.
Allez. Ouais, je pense que c'est fini. On va se faire éliminer peut-être petit à petit. Ouais, je vous le montrerai quand même parce qu'il faut que je prouve que je peux me perdre. Hein. Celles-là sont tombées. Je vais commencer par celle-ci. Et là, on a la moitié. Et je pense que si on passe cette attaque, on peut lancer l'assaut sur leur nid. Sans attendre. Venez, on y va. Dans 50 secondes, on aura du renfort, mais je peux pas. Je peux pas attendre. C'est l'assaut. Ils sont censés être résistants, ceux-là. Non, ça. Hop, allez. Oui. Je dois me dépêcher, donc en fait il faut que cette bataille se termine très vite.
4. Ici, 53. Je pense pas que j'aurai, hein, mais... Allez, ouais, elles sont mortes. Ouais. Ils vont leur lancer leur assaut final, je pense, hein. Peut-être s'en sortir si on les esquive. Allez. Mince. Bon bah je suis fini. Je suis fini. Viens, en charge. Celle-là, elle passait par le spray. On a peut-être une chance, maintenant ça va être au plus rapide. Allez, une seconde. Ouais, ma barrière est tombée malheureusement. C'est la défaite. Allez, finis-moi, ainsi moi je finis cet épisode. Voilà, ni perdu. Pas grave, retournez à la colonie. On va donc s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Quand même, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, ils seront lus et répondus avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, mais également les autres séries de qualité qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.